life. Bonjour, je m'appelle Veli Borčolić et je viens présenter mon nouveau livre Eder Lezi, comédie pessimiste, chez vous, ce soir. Et j'ai eu la chance de grandir dans ma petite ville au nord de la Bosnie, à la frontière croate, maintenant que vous êtes allé vous aussi. Par hasard, maison d'une bonne famille comme nous. Mon père était un camarade très important pendant le communisme. Vous voyez, il a fini avec du sachet en plastique. C'est sa maison d'autrice, là. Quoi? On est aussi violent avec le tzigan. C'est vrai, ce sont des voleurs de poules, les moustachus, les nomades. On vit dans un siècle où on adore le nomadisme, mais on déteste les nomades. Ça, c'est l'autre chapitre. Un beau jour, il y a longtemps, Dieu décida de créer l'homme. Il prit de la glaise, modela une sculpture et la mit au four. Ensuite, il partit se promener un peu. De son retour, il fut surpris. L'homme restait longtemps au four, était complètement noir. Alors Dieu dit, tu seras le père des noirs. Mécontent, il recommença son travail. Il remodela la sculpture et il la remit au four. Cette fois, il sortit l'air trop tôt. L'homme était complètement blanc. Alors Dieu dit, tu seras le père des blancs. Toujours mécontent, l'Éternel décida pour la troisième fois de créer l'homme. Il modela encore une fois la sculpture et la remit au four. Et cette fois, l'homme avait la couleur de l'or et ce que sa meilleure œuvre. Tout content, le Seigneur dit, tu seras le père de tous les hommes. Donc je les déplace peu à peu avec eux. Et à la fin, chaque de mes trois chapitres, j'ai fait une sorte un rendez-vous avec notre monde et le fascisme, c'est l'européen, c'est pas l'africain que nous avons montré ça, il me semble. Les tziganes tels quels, pas du tout. Le piège qu'il fallait éviter dans ce livre, c'est tomber dans le bon sentiment, c'est-à-dire, oh, comment ils sont pauvres, hein, comme ça. Non, ils sont pauvres, mais pas tristes. Ce ne sont surtout pas des anges, pas tout le temps le diable non plus. Et donc, je traverse avec eux quoi, ce terrible 20e siècle. Je me suis rendu compte que ce peuple, il y a une réponse à tout. Vous demandez pourquoi les choses sont comme ça, il y a une réponse. Sur l'origine de l'homme, sur l'origine du temps, sur la pluie, sur l'amour, sur la haine, sur la cuisine, et que leur réponse ne correspondait pas toujours à nos réponses sur les choses. Que leur lecture de l'homme, de destin, de ciel, de Dieu, d'amour, de ce que vous voulez, comme ça, pas tout à fait pareil de nos lectures. Ils ont leur panthéon, ils ont le comme ça, plein d'histoires sur le tzigan, ils sont complètement dans leur réalité. Personne n'a jamais rien noté. Peut-être, voilà, il faut un gadjo comme moi, un slave, un blond pour noter. Les chansons, ils sont des formidables musiciens. Personne n'a jamais signé une seule chanson. Ils comparent ça avec un oiseau, ils disent, il y a un oiseau. Signer une chanson, c'est comme le prendre l'oiseau et le mettre dans le cage. Le plus grand honneur pour un musicien tzigan, c'est attendre sa propre chanson jouée par un autre orchestre.
L'histoire d'un nain, un belge et une blonde.